mon peuple, au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple, au-delà de l'Éthiopie. Réjouissez-vous, je suis avec vous. Si c'est toi qui as créé ce monde, si c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, encore dans la joie de vous avoir nombreux devant vos petits écrans pour vous parler de votre émission préférée, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus d'autres émissions pendant ces temps que cette destinée, une émission destinée au salut de l'humanité, à la paix d'Israël, parce que c'est ce que le monde attendait. Le message est là. Merci à nos téléspectateurs. Merci à ceux qui nous ont appelés du Bas-Congo, du Katanga. Tous nos frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse. C'est de diaspora, nous ne vous avons pas oublié. Du Cameroun, Côte d'Ivoire, des États-Unis d'Amérique, de l'Australie. Nous sommes ensemble. Nous revoilà encore une fois aujourd'hui avec notre invité de chaque jour, le docteur John Kinkela, pour vous parler d'un sous-thème intitulé « Il change les temps et les circonstances ». Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon compagnon de tout le jour, le colonel Monga, l'évangéliste Monga. Bonjour mon colonel. Bonjour mon frère. La santé, ça va? Très bien. Votre émission fait la une pendant ces temps en République démocratique du Congo et dans le monde. Les gens ont réagi par rapport à Malachi 4, 5, 6. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Nous laissons le temps au docteur pour pouvoir s'exprimer et répondre aux questions de nos téléspectateurs. Docteur John Kinkela, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé. Nabanzi Olandi, de partout, Babengi, la Côte d'Ivoire, Bisike Bele, Bazali Kotouname, docteur Vandi Sabiso, Nalikambo Oyetali. Malachi 4, 5, 6. Malobe Zali et Païna au papa. Ok. Nzambe à Pambula Maming. Pen Azali ko Pambula Landinabiso et Amikolonios. Nabanzi na koleksa mingi tangote. Na yoka ki réclamation na bango. Pe demande na bango. Si Malachi 4. Tango bazali kolobaya. Mais biso to yebike Malachi 4. Parle de frère Branham. Mais ndenge nini olobi que Malachi 4 ne concerne pas frère Branham? C'est ça. Non. Na linga ki bayo kanga malam malam. Ce n'est pas le docteur premièrement qui dit que Malachi 4 ne concerne pas le frère William Branham. Mais c'est le frère William Branham qui refuse lui-même de sa propre bouche. Que pourquoi moi mon problème c'est faire parler le frère Branham. Parce que tout auteur vit, c'est-à-dire le frère William Branham vit à travers ce qu'il a déclaré. Vraiment. C'est pourquoi Nalingi Bazong et l'abisso rapidement, na brochure, l'abisso se range du côté de Jésus-Christ. Na banzi toza na paragraphe, lelo Nalingi kato atterri na paragraphe 62 à 64. Merci, docteur Alingi Kolobake, yé Alingi ko interpréter frère Branham. Parce que baye bazali ko interpréter les lots bazali ko interpréter yé malamote bakeyi outre na oyo frère Branham alobaki bakeyi mopanzi bazali balobi que frère William est le messager ya Malachi 4, mais lui-même le frère Branham ne se déclare pas être le messager de Malachi 4. Aucun jour a sali mention qui a un messager ya Malachi 4. Docteur Alobi Nabisoto Tanga, brochure ya frère William Marion Branham, oye titre nango ezali se ranger du côté de Jésus, ya 1962. Tozan na paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à sept autres d'entrer en scène. Okay. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous,
Celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Mm-hmm. Restaurer la foi des enfants à leur père. Restaurer la foi de des enfants à leur père. C'est-à-dire, en quelque sorte, ramener les cœurs des enfants à leur père et les cœurs des pères à leurs enfants. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus jamais comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Ça pourrait être l'une de ces choses-là. Ça, c'est paragraphe 63. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Parce que je suis. Les gens m'ont cru. Je dois dire ceci. Je le dis devant les hommes. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi. Moi-même, non. Donc, lui ne se considère pas comme étant un prophète. Messieurs, comme étant un prophète, je ne me considère pas ainsi. Moi-même, non. Messieurs, je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Merci, mon bien-aimé. Donc, il ne mérite pas l'honneur d'être appelé un prophète du Seigneur encore. Voilà pourquoi j'avais dit, je lui donnerai sa place. Parce que moi, je connais la place de notre bien-aimé Branham. Pourquoi je le connais? Le frère Branham dit ceci. Je ne suis pas prophète, ni évangéliste. Mais celui qui viendra, c'est celui-là qui dira de moi ce que je suis. Amen. Voilà pourquoi je voudrais donner la place de frère Branham selon les Écritures. Amen. Comme je vous l'avais dit que si peut-être il pourrait s'appeler précurseur, si peut-être, comme il a dit qu'il est précurseur, moi je dis c'est ce qu'il lui a dit. Si peut-être qu'il est précurseur, un précurseur n'est pas parmi les païens n'a pas une place ou un verset qui peut lui soutenir dans la Bible. Parce que chez les païens, on n'a jamais eu un prophète. Mais on parle d'un messager qui doit sortir des nations païennes. Pourquoi? Parce que ce messager n'est pas un messager des nations. Mais c'est un messager pour Israël. Pour accomplir, Esaïe qui dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Un homme d'une terre lointaine. Ayana Israël pour faire la volonté de l'Éternel qui est Jésus. Amen. C'est-à-dire, messager wana, aza yabikolo te. Mais messager aza outa nabikolo, pour akenena, Israël a accomplir volonté. Maintenant, cette volonté qu'il doit accomplir en Israël, nous en parlerons. C'est pourquoi retournons d'abord. Le bien-aimé Malachi, Branham. Ok. Le bien-aimé Branham. Ajo le bela le binon. Et j'en ai ma kamboumi balé ou misato et koki koko melang. Yambo. Peut-être que ça la souka yamolongo nang. Parce que yamobembo nang. Yamolongo sot a dit mobembo nang. Merci. Parce que na koki koza la te, na ba brochure bela lobi. Nous ne pouvons pas être dès ici. Où lui doit croître et moi je dois diminuer. Amen. Mais ce que je reconnais que Moussala o na sali o effrayé chemin. Relève. Et c'est lui qui doit prendre relève selon le message de bien-aimé Branham. Il ne peut pas sortir du message de Branham. J'insiste que les Branhamistes écoutent cela. Nulle part où Branham a sali mention que quelqu'un sortira d'ici de ce message. Retournons en Israël. En Israël, Moïse n'a pas eu peur ni honte. Selon Deutéronome,
lorsqu'il parle d'un prophète qui devait s'élever du milieu de ses frères, Azolobake, Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Mmh. Ça, c'est pour avertir Israël, pour qu'Israël sache que le messager qui viendra, le prophète qui viendra, ne sortira pas de chez les païens. Donc, pourquoi? Parce que chez les païens, il y a aussi la promesse d'un messager qui doit venir. Mais Oyo, Azobi m'a dit milliers de vous-même. Mmh. Et le frère Branham, si le messager devait sortir du message de Branham, il allait aussi en parler parce qu'il ne pouvait pas avoir honte. Et ce qui a zalakaki azobi ma katikat nabango, akokaki kolobate ke je suis à l'attente de ces messagers. Ce qui n'a moni mutuana, ngai pe na église tokei auprès de. Comment mutako kolobake ngai na église nanga tokei ko rejoindre mutuana. Pe na ebisi église voilà mutu tozalaki kose kose. Docteur. Azolo bazol bakisa j'arrive. Azolo bakisa lobike. Pourquoi la lobi bobate là? Maye naza kote ya bino sikote. Bobua kayango avant le lever du jour, brille. Parce que il y a un nouveau messager qui vient. Il y a un messager qui vient. Et un nouveau message. Et une nouvelle chose. C'est-à-dire, et j'en ai église mon kweza koya. Il y a poule msou seza koya. En dehors, il y a Branham. Na poule wana, ne messager wana zo bimela. Na poule wana. Aye. Na message na ye. Aye pe na eloko na ye. Mais na ngaye na Branham, na zo zela, komoni sama ya mutu wana, eloko na ye, na message na ye, pongaye pe na kende kokota. Na bino elongo, to sala nini? Toke. Na lingi na ze, na mon eglise, kotika la na lolenge wana, à l'attente de ce messager, de cette nouvelle chose, et du nouveau message. Vous comprenez par là que, on ne peut pas parler d'un messager sorti de Branham, c'est la sorcellerie. Oh. Oui, une telle personne, s'il sort du message de Branham, si c'était en Israël, il mérite d'être lapidé. Docteur Olingi Koloba, que N-O-N, Motowana, a koki jamais kobimela na message à Branham. Ata lelo, ata lobby, ata nandoto, ako bimakate parce que frère Branham a pessé pouvoir na yabi manakati a message à frère Branham te. Merci. C'est là où nous sommes. Okay. Maintenant nous allons. Allons lobake. Mais ce messager qui viendra après moi, moutou na frère le chemin. Yazana moussala mounen. Yaye moussala, et j'allais ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des pères à leurs enfants à leur père. C'est-à-dire, ici, Branham interprète Malachi 4. Mm-hmm. C'est pourquoi la lingui batangue la bisou Malachi 4. Si ce que le frère Branham dit et ce qu'elle interprète peuvent être corrects. Nazonga ki koeb sabanguna Malachi chapitre 4, de Kokotangi langa, verset 4 et 5 et 6, jusqu'à 6. Sixième verset. Malachi chapitre 4, verset 5 à 6, le docteur est en train d'interpréter les paroles sorties de la bouche des frères Branham lui-même. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Mmh. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Merci. Awa, c'est le prophète Malachi qui parle. Malachi Azoloba, premièrement, alobi il y a un jour grand et redoutable de l'Éternel qui viendra. Amen. Jour grand et redoutable, wana. Ezoya, non pas pour les nations, mais pour le peuple dit d'Israël, cette nation-là. C'est la parole. Jour Ezakoya pour la nation d'Israël, Ezan a objectif ni pour punir les honteux et les méchants, c'est-à-dire peuple wana lokola baza mutu makas. Ba tout moko baza ba honte, ba baza ko considérer mutu te. Ba pesa ka mutu bisika na ete. Orgueilleux qu'ils sont. Maintenant, bah, tiens-le, bah, au jour grand et redoutable pour les répunir. Mais, nous avons vu, 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 nous avons vu,
bakoki ko pinir mutu te soki basambi siete. C'est pourquoi pour pona ko sambi sa mutu wana nde bakiti na makomi aza ko loba bon tant un jour le grand et redoutable est apparaître. Mais pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, c'est-à-dire, quel qu'il en soit, qu'il y a des méchants, il y a des rebelles, mais il y a aussi un groupe de gens qui craignent l'Éternel. Et pour craindre l'Éternel, il faudrait que l'Éternel se manifeste en chair et en os. Parce qu'on ne peut pas parler de la crainte d'un esprit. On craint celui qui est physique. C'est pourquoi l'Éternel devait apparaître en chair et en os. Cet homme est apparu du milieu d'eux. Mais là, moi, tout, on va craindre l'Éternel, qui est Jésus, c'est-à-dire l'homme qui était manifeste. Maintenant, jour grand et redoutable, il y a qu'on détruire Bango. Or, jour grand et redoutable, j'en ai déjà parlé ici. C'est le général Exus, Oyakota Kikuna, et l'empereur Vespasien. Ce sont eux, on va bénir jour grand et redoutable. On va créer, on va détruire Natangela Kipino Bango, selon. Mukanda ya Deutéronome 28, Joël chapitre 2. Ça, j'en ai déjà parlé. Merci. C'est pourquoi l'Éternel a ça qu'on continue pour le balobi. Bon. Pour Nabango, journée wana, ngolwe ko salame la bango. Ngolwe ko salame la bango. Na kotinde la bango. Soleil de la justice. Un véritable soleil de la justice. Qui devait apporter la guérison pour eux. C'était l'apôtre Paul. Il est déjà été, il a manifesté. Lui devait venir après les jours, avant les jours grands et redoutables. Or, soleil de la justice, a conquis Koyate avant les messagers de l'Alliance. Soleil de la justice, Jésus t'a adopté. Non, je dis que c'est l'apôtre Paul. J'en ai déjà parlé et beaucoup j'en ai parlé. Amen. C'est pourquoi Nzambe wana. Assisi Koloba, Akiti, na Malachi 4, Bango Batiaka Frère Branham. Azoloba Lobi, souvenez-vous de la loi de mon serviteur, de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Pour tout Israël. Non pas pour toutes les nations, pour tout Israël. Bon, c'est souvenir na loi wana. Alobi te na ba païen ba se souvenir na loi ya Horeb. Parce que tant que Moïse a pesi loi ya Horeb, après ça qui a on a payé, il a donné à la nation d'Israël. Quelle était la loi d'Horeb? Loi à Horeb, bah combien on a Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. C'est ça la loi à montant d'Horeb. C'est là où il y a la loi et les préceptes, les ordonnances. L'ordonnance, c'est-à-dire Dieu a ordonné et lorsqu'il a décrété, a nommé Moutou. Mutuana po alongwa il faudrait bak ya ko pe sa ordonnance moussous. Maintenant ici il y a l'ordonnance. L'ordonnance a été signée par Moïse d'un homme d'une selon cette loi. Tokende kona. Deutéronome chapitre 18 15 à 18 nous lisons. L'Éternel ton Dieu te suscitera du millier de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Horeb, que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ses grands feux afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du millier de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Amen. Awa, nzambe ngwazo kolobela loi oyo. Ça c'est une loi. Il y a l'ordonnance, il y a une loi, il y a les préceptes toujours là-bas. Alors bon, c'est souvenir, c'est ça la loi de la montagne d'Horeb. Parce qu'il y avait la loi de la montagne d'Horeb et la loi ici, ya Sinaï. Parce que la loi de Sinaï, Israël, Israélite, c'est pourquoi nous avons rappelé la loi de la montagne d'Horeb. Or, sur la montagne d'Horeb, il y a une seule loi donnée par Moïse. L'Éternel a dit, il suscitera des milliers de vous,
un prophète comme Moïse. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il est dit. Vous dira. Vous l'écouterez. Il y a quoi déjà? Il y a une loi. C'est-à-dire, ici, il y a une loi. Et le prophète qui ne l'écoutera pas, c'est moi qui lui redemanderai compte. C'est-à-dire, Mobe Kweza Djawan. Autocité, Okufi. Autocité, Bapinir. Bapinir, Pinir, il faut Kouf. Et l'Éternel ici donne l'ordonnance. Ordonnance, c'est quoi? Il a ordonné qu'un prophète viendra d'humilier des peuples d'Israël. Akobi Malibandate, du millier de vous, peuple d'Israël. Non pas des païens, à côté les mains. Tant que le prophète est à côté les mains, Moutou Nyonso à Kobo et à Koto Saye, Wananganzan Bendenako, Pinirie. Vous comprenez? C'est pourquoi Azoeb Sabango. Bon, c'est souvenir de la loi. Wana. Parce que ceux qui va pinir Israël, ils ont pinir non pas selon les commandements, ya, Koto sa papa, maman, tata. Non! Ils ont pinir Israël par manque. C'est pourquoi Jésus, qui était le prophète qui devait venir, selon Malachie 4, ces prophètes-là, que Moïse a parlé dans le Deutéronome, ce n'était pas Branham. C'est pourquoi Branham, le col à Yébaki, que Makambo est concerné par Païen, est concerné Israël, a mis le moli dans l'histoire. Alors, il y a quelqu'un qui viendra. Vous comprenez? Amen. Et cet homme est déjà arrivé. C'est cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Tant que le prophète Johanna Jésus a connu, il a parlé du milieu de ses peuples. Après avoir parlé 3 ans d'Ira, Israël ne l'a point coup écouté. Or, c'était Jésus-là qui devait ramener le cœur des pères à leurs enfants. Mais, retournons selon les Écritures. Parce qu'il est question de Moïse. Pardon, de Jésus-Christ. Jésus-Christ a oiseau paix ça est signe parce que tout ça la loi à Horeb oiseau paix ça est signe. Alors le ces prophètes qui sortira des milliers de vous na Malachie a pessier couleur forme critère au bakoyebelaye azo loba azanan azo bi Élie les prophètes. Pourquoi azo loba Élie les prophètes? Parce que Élie le prophète, c'est celui-là pour la toute première fois qui avait ramené le cœur des enfants à leur père, à la foi de leur père. Amen. Parce qu'Israël était déjà parti très loin. Et maintenant, pour ramener, nous allons punir Bango. Mais pour pas ramener Bango de nouveau, il faudrait que Élie le prophète aille enfin qu'à ramener le cœur des pères à leurs enfants. Mais retournons. Maintenant, Moïse. Pardon, Élie, le prophète, l'ombre du véritable Élie. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants, il a fait quoi? Je suis sur l'ombre. Afin que tout à l'heure, est-ce que Jésus réellement est celui qui était le véritable prophète, Élie, le prophète qui devait venir? Retournons sur l'ombre du véritable Élie. Véritable Élie, le prophète qui était en Israël. Israël a péché. Il est allé loin de son. De son Dieu. Maintenant, Nzambe, Alingi Akate Labango et Tumbo. Mais Dieu ne pouvait pas punir ses peuples. Punir ses peuples, s'il n'avait pas encore envoyé Moïse, Eli pas parlé. Il faudrait Eli Akenda Loba. Eli Alobe Libango, peuple Boi Koyoka. Loko le peuple Boi Koyoka, il faudrait Nzambe punir. Pour punir Israël, Eli ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Elie accueilli chez la veuve de Sarepta. Mais avant d'arriver chez la veuve de Sarepta, Elie a zana mukokende na grotte et sika akoza la nourri na ba corbeau. Après un temps akoza la nourri na ba corbeau, azo longwa na sika azali nourri na ba corbeau. Nde yake et pas la femme de Sarepta pour la toute. Et tant oiseau comme chez la femme de Sarepta, il faut qu'on ait bakolande la critère. A commis chez la femme de Sarepta, a couti femme de Sarepta qui avait son fils. Et femme de Sarepta avait la farine et l'huile. Il avait la facilité à cosa la mukate. Et femme de Sarepta, a yeba ki kolamba na konye belete. Mais ayeba kolamba na koni miba mibale. Ça c'est trop profond. C'est ce qu'il faut connaître avant de parler de les prophètes.
Eli le prophète, kotika ka Eli le prophète. Est-ce que tali ba critère sur que zoko que la nani William Branham? Parce qu'il y a déjà des critères auxquels il faut reconnaître Malachi 4, c'est-à-dire Eli le prophète. Il y a des critères. Si vous ne respectez pas les critères, c'est-à-dire okokende libanda ya mutuana. Moi si wana tomoni azanani, elle a le fils azana farine naye na mafuta pe ayeba kakolamba na koni ebelete mibale. C'est-à-dire en quelque sorte Eli le prophète accueilli et pas la femme de Sarepta pour être enseigné. Amen. Oh. Être enseigné par la femme de Sarepta. Après être enseigné, ne y a quoi zonga pour aller restaurer. Pour restaurer, ce n'est pas encore facile. Il est obligé de rétablir, restaurer l'hôtel qui avait été renversé. Qui avait été renversé. Or cet hôtel existait. Renversé par qui? Par le prophète de Baal. A restauré l'hôtel Wana. Et après l'avoir restauré, c'est là où Eli a invoqué pluie. Pour pluie, c'est la nuit. Ezonga. Enoka. Enoka les sous sur la parce terre qui était devenue desséchée. Tant que ça a invoqué soleil, pardon, Mboula, Eli a zotinda serviteur. Eli le prophète a zotinda serviteur. Parce que tant que ça a été na moment ya ko restaurer hôtel, Eli le prophète doit avoir un serviteur. Amen. Un envoyé. Je ne sais pas, c'est seulement moi qui peux écouter ces choses. Mais azo tinda serviteur à lobby maintenant, j'ai fait selon ta parole. Ta parole. Formule l'union sur la coquille sur la restauration. Éternel kiti sambul. Moto salanini ekita. Tant que moto kiti fini. Maintenant, je vais sa serviteur à lobby. Kende. Vers où? La mer. Vers la mer. Non pas vers la terre, mais vers la mer. La mer. Mboula bazota le lango na mabele na likolote. Mais atale lango vers la mer. Dans wazo kenda tali, c'est là où il voit une pomme, une nuée qui s'élève à la forme d'une pomme de mer. Mais tout ça c'est significatif. Amen. Est-ce que Branham bango tang bazolo bela Eli le prophète ba kokisi ba ba réflexion ananios. Voilà Branham qui réfléchissait. Nda tali a lobi critère lo anezo kokela na soki moke il y a quelqu'un. Voilà. C'est pourquoi nazo koya. Maintenant véritable Eli le prophète, j'avais dit que c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant véritable Eli le prophète, il est venu en Israël. Il a parlé au devant de ses peuples, mais le peuple est resté rebelle. Incrédule. Incrédule. Or, Moïse a dit ça qui est ok. Tant que le prophète est à côté de Makat Pabino, qui est Jésus-Christ, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Moïse a salué à s'effacer la scène. Amen. À la présence de cet homme, il est Dieu. Ne dites jamais que Moïse a dit. Parce que na ma commis déjà la loi, ce Dieu-là qui viendra, c'est un Dieu jaloux. Amen. Pour qu'il soit jaloux, il faut qu'il soit dans la chair, à manifester jalousie. Mais na bo tangela e kombo ya mutu musu, soki moke, pourquoi Moïse a ebisi bango? Parce qu'il a Deutéronome chapitre 32, à ça a ebisa bango. Déjà à l'obi, nzamba zo ebisanga, eloko ekoyaka ko salam, eloko ni l'éternel la vie. Ses fils et ses filles. Et ses filles. Il a été indigné contre ses fils et ses filles. Et ses filles. Azolobani na lobi parce que botumbo likanda nanga na mutu oya zanzambete. Pena bike ko yapa, yapamba. Ça c'était la prophétie. Maintenant accomplissement et ko talama tango prophète wana qui est Jésus à Salinin apparaître. Il arrive devant Israël. Ate yaboye. Non. Nous avons Moïse comme notre maître. C'est-à-dire, bah, créer jalousie à Nzambo et Jésus. À l'égard de qui? De Moïse. Bah, sous qui t'es na Moïse, qu'on crée jalousie. Bah, zo kene na temple, bah, qu'est-ce qu'on adore, dit que qu'on y a pas? Y a pas. Jésus a tellement à lui. Ah! Bon, t'es un gélina combo à Moïse. Bon, quand t'as na temple, na zo monanin, dit que qu'on.
C'est pourquoi Bino, pour Nabino Mawai Kozalate, je serai au devant de vous sans miséricorde. Je serai sans miséricorde. Maintenant, Bokozala Pini. C'est pourquoi, avant Bazala Pini, c'est Jésus-Christ, un Dieu miséricordieux, Azoti Kabongote, avant de l'air pinir, Azoti de la Bango, soleil de la justice qui est l'apôtre Paul. Tant que Paul a lobby, il y a toujours des jours grands et redoutables qui est général et Titus, na empereur Vespasien, l'armée de Bango, détruire. Maintenant, tant que Bazo détruire Awa, c'est pour emporter tous les intestines, Bakenango, Wapinage, na Rome. Tant que Bakenango, Nzambe, na Mobimbanaya, Salinin, accueilli. C'est-à-dire, pluie de l'enseignement. Oh, Ezalaki Kuna na Israël, moyen se manifester sous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pluie de la grâce, Salinin, et Kangami. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus encore un prophète. Amen. Il n'y a plus un enseignant. Amen. Ce peuple basé sur un enseignant tamkete. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, le coup la basé sur un enseignant. Bah, batikali na désert. Lilo bananzambe kokeli bango. Lilo bananin yanzambe nin. O eza koloba ke peuple yo akotika laka sans Dieu, sans roi, sans statue. Vous comprenez? Sans Amen. Prophète. Et kokeli bango. Lilo ba mususu eza kokela bango ezanin. Bino boko zalaka na nzala. Nzala non pas ya lipa mais nzala ya lilo bananza. Nzambe. Pourquoi lilo bananzambe? Et comme il passe, parce qu'il n'y a plus un enseignant. C'est-à-dire, ciel pour Esalénine et Kangami. Maintenant, le ciel devait se fermer pendant 3 jours et demi. Qu'on dit sa prophétie. Il y a Daniel, chapitre 9. 3 jours et demi. C'est-à-dire, 3 ans et demi. Pour et selon Dieu. Selon le temps de Dieu. Maintenant, tant qu'on a une sur la sécheresse, oyo pluie ezobetali sous tekuna oyo ba komi na souffrance awa Eli le prophète véritable Eli le prophète qui est Jésus-Christ awa zo kende directement ba kende ko nourrir ye na ba corbeau premièrement pourquoi parce que Eli souffrance amen c'est pourquoi ba tindi wapi c'est pas la ba corbeau ah na grotte What? Pour ba nourrir yé, na ba corbeau. Amen. Pour peu de temps, ba nourrir yé. Or, véritable grotte, or, ba singela qui ba nourrir. Eli, véritable qui est Jésus, c'est la Rome. Amen. Est-ce que vous comprenez? Faudrait ba nourrir yé na Rome. C'est le Seigneur de la gloire. Ba nourrir yé pour na Rome. Après avoir nourri na Rome, Azo Sukawanate, qui est véritable gros. Il faudrait akende qu'on retrouve femme de Sarepta. Ok. Or, une femme dans la Bible, c'est une ville ou une nation. Amen. C'est-à-dire, il faudrait le lobao à Betla Bangwekok. Le royaume de Dieu vous sera enlevé à une nation et sera donné à une autre nation. Est-ce que vous en avez? Amen. Et l'ongwena, Israël. Et si Kanzala est côté, et qu'il y a un corbeau, amen. Parce que le corbeau n'est pas enlevé, qui est la Rome. Maintenant, le Romain, sous sa parole, wana, bo konji wana, et le roi qui est Jésus, ba memie devant la femme de Sarepta, qui est peuple d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. Dans un pays entrecoupé par des fleuves. De fleuves. Qui est la RDC. C'est ça la femme de Sarepta, véritable femme de Sarepta, c'est cette nation où nous sommes. Amen. Maintenant, nation Oyesika Tozali, qui est la RDC, véritable femme de Sarepta, je dis bien c'est qui? C'est la RDC. Ok. RDC, Azana fils. Or, fils par excellence, c'est celui qui doit naître. Amen. De la femme qu'on appelle un envoyé parmi les nations. Voilà. Oyo azali koya Eli le prophète et lokozo memaye liboso awa c'est pour ressusciter le fils de la femme. Oh Allah le fils
Parce que ce qui est dans le fils, directement, il s'incarne dans le fils. Bon, moi, écoutez. A ressuscité fils. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'incarnation dans le fils. Jésus s'incarne dans le fils. Dans le fils, il est aussi. Fils, il y en a. Christ. Il y a femme de Sarepta. De Sarepta. Maintenant, la femme de Sarepta, elle a pambaté. Elle a farine, elle a peine à huile. Ah! Vous comprenez? C'est-à-dire, il a un enseignement. Amen. Vous comprenez? Amen. Il a aussi l'onction. Oh, le Amen. Temps est parti, j'y reviendrai. Amen. Et cette femme, c'est celui qui enseigne et lit les prophètes. Parce que cette femme hein, s'est très bien préparée. Pour y aller, elle a facilité à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à il y a une facilité à associer des bois. C'est-à-dire, il y a quoi associer des bois. Et je dis bien combien de bois? Deux bois. Parce qu'il faudrait que des bois soient associés. Mm. Mais des bois sont oui, simplement associés par la femme de ça. De sa Sarepta. Quels sont ces deux bois? L'olivier franc et l'olivier sauvage. Doit être associé Amen. Par la femme d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est ça, est-ce que c'est ce que Branham a fait? Jamais. Voilà Élie le prophète. Ce qui a soukissi, qu'on associe, a oiseau soukissa et pamba bongote. Parce qu'il faudrait à préparer kotoyo, pomme de la mer, pomme de nuée. Jésus aura encore la chair parmi ses frères, Et lorsqu'il aura la chair parmi ses frères, le fils qu'on appelle envoyé parmi les nations ira encore en Israël. En Bakosala, fils et Jésus. C'est là après avoir restauré Ndazotal. Mon frère, Bengelanga Batuna Yoanat. Parce que la nuée n'est rien d'autre que la chair. La chair. 5 doigts. Pomme de mèze, elle en a combien de doigts? 5. C'est ça les 5 dons du ministère. Il faut à invoquer pour qu'elle soit enseignée pour accomplir la parole de Ephésiens 4. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Dieu de gloire bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi religieusement ce que le docteur est en train de nous dire. Docteur, j'ai comme impression que vous avez encore 3 minutes. Hein, s'il y a encore quelque chose à ajouter. C'est-à-dire, vous avez compris ici que ça marche à Élie le prophète, véritable Élie le prophète, qui monte jamais. C'est ainsi dans Kotangela Bino rapidement, acte des apôtres. Rapidement, acte des apôtres. Acte des apôtres pour chuter, bien aimé. Chapitre 3. L'acte des apôtres, chapitre 20 à 22. Chapitre 3, le verset 20 à 22, nous lisons. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas à reprendre la loi? Très bien. À reprendre la loi, n'a pas été ni au salubi. Non, ça c'est Pierre qui parle à les frères. Alubi non, bon bon vous l'amitié manabin. Pour que bâtin de la bino, moutou oyonzamba bongi c'est la qui bino utaka kala. Nani moutouana, Jésus-Christ. Mais que le ciel doit premièrement recevoir. Or, au ciel, c'est une nation qui est élevée parmi les nations. Les nations. En moutouan en zamba, à pokenenan, chez les pas. Chez les païens. Maintenant, tant que vous avez zong, vous avez rétablir toutes choses. Toutes choses. Parmi les nations. Les nations. C'est celui qu'on appelle Élie les prophètes. C'est pourquoi Moïse éclaire. Pardon? Le frère Branham éclaire à lui. Je ne suis pas le prophète. Moutouana zo bande la kuna, aye chez la veuve de Sarepta, et a zongi li susukuna. Que le Seigneur de gloire bénisse, je reviendrai pour ça. Bien-aimé, frère Branham, c'est notre frère. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est docteur John qui peut faire parler et interpréter frère Branham. C'est parce que vous ne l'avez pas bien interprété.
Taisez-vous si vous n'avez rien à dire. C'est ce que Job dit. Quand on n'a rien à dire, on s'éteint. La destinée prophétique de la RDC est là. Une émission en son temps. Pour apporter de la lumière au peuple qui a si longtemps demeuré dans le ténèbre. Voilà aujourd'hui que le Seigneur vous suscite un ange pour pouvoir vous parler de ces choses. Nous ne manquerons pas saluer notre papa, le docteur Matondi Bamwabi Bale Jamalo. Vraiment longue vie à lui, là où il est, au four et au moulin, toujours pour apporter le salut à l'humanité. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez-nous au plus 243 97 520 693. Et si vous voulez nous soutenir, bien-aimés, avec vos biens matériels, nous en avons besoin pour payer les émissions comme celle-ci, afin de vous apporter une nourriture en son temps. Appelez toujours au plus 243 les 97 520 693. Vous nous suivrez encore, c'est-à-dire vous suivrez encore le docteur John, toujours dans l'émission La Destinée Prophétique de la RDC, sur 10e Rue Télévision, chaque vendredi à 6h et les dimanches à 6h du matin. Et sur WMSA Télévision, vous nous retrouverez encore et vous retrouverez encore votre émission préférée, La Destinée Prophétique de la RDC. Chaque mercredi à 14h40 et puis le 13h40 chaque mercredi et le samedi à 13h juste. Soyez branchés, commentez, écrivez-nous, posez des questions, vous aurez d'amples renseignements et d'amples réponses. Que mon Dieu vous bénisse. Et que mon Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pourquoi pas l'autorité, le premier citoyen numéro 1, et toutes les autorités établies, parce que la Bible me dit que toute autorité vient de Dieu. Parce que ceci vous concerne, ceci est aussi la vie, et aussi votre vie, et la vie des Congolais, la vie de frères et sœurs, la vie de pasteurs. Cette émission, elle vous concerne. Que mon Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Mon peuple, réjouissez-vous, je suis avec vous. Mon peuple au-delà de l'Éthiopie, réjouissez-vous, je suis avec vous. Oh, si c'est